Comme un gamin à Noël. Deux ans que j'attends de faire ça, deux ans. Salut à toi, Mi Wanderer. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je suis dans un parc au sud de Sapporo et on va faire un essai parce que je vais te le dire tout de suite, j'ai un nouveau copain. On va essayer ça pour la première fois. Alors je l'ai appelé Karasu parce que bon, apparemment c'est un truc de donner un nom à son drone. Je voulais appeler Billy, mais en fait Billy, j'ai déjà donné ce nom-là à un oiseau en Nouvelle-Zélande qui m'avait piqué mon sandwich. Je l'ai appelé Karasu. Karasu, si tu le dis avec l'accent japonais. Karasu, ça veut dire corbeau en japonais. Merci pour ça. Karasu, ça veut dire corbeau en japonais. Alors je trouvais que ça lui allait vachement bien parce que je l'ai pris noir. Et pour une autre référence que je te laisse deviner, laisse-moi un petit commentaire en dessous et dis-moi si tu l'as. Allez, let's go! Es-tu à l'aise avec cette télécommande? Pas du tout. Je me sens totalement stressé. On va aller voir le stade. Ah, c'est grave stylé, putain. Putain, il est loin, ça me fait peur. On va aller trouver un autre spot pour essayer d'aller voir la rivière. Voilà. On va élever le niveau de stress un peu, on va voler au-dessus de l'eau. Avec les arbres autour, un drone à 800 balles, ouais, ouais tranquille. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo, juste ma première prise en main. Va falloir bosser un peu le pilotage parce que c'est un peu plus compliqué que je le pensais. Je pense que les plans ont vraiment de la gueule, on va voir ça au montage. Ça a été court, intense pour moi, j'espère que ça l'a été pour vous aussi. Comme d'hab, le pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne, tu te mets sur tous les réseaux sociaux et tout ça, tout ça. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Matane! Oh, this new crazy mother.